Dans la série à l'hôtel, je te présente aujourd'hui un petit déjeuner, une petite dégustation avec toi ce matin. Voici mon petit déjeuner que je vais déguster avec toi. Face à mon petit déjeuner, je vais te présenter ce qu'ils m'ont apporté et ensuite je vais déguster avec toi. Alors, tout d'abord, dans la panière, on a. Je vais te montrer ce qu'il y a. Alors, il y a un petit pain au chocolat, un morceau de baguette de pain, un petit pain, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est du jus d'orange frais ou pas. À mon avis, c'est la bouteille, on va voir. Ouais, il est pas hyper bon. Il est un peu amer. J'ai remarqué que souvent dans les hôtels, je suis assez déçue du jus d'orange. On va dire que chez moi, je bois que du jus d'orange pressé. Donc, si c'est pas du jus d'orange pressé, c'est sûr que c'est souvent moins bon. Je sais pas ce que t'en penses. Tu veux goûter? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je vais prendre la petite serviette parce que j'ai peur de mettre des miettes de pain partout. Et bah serre-toi, tu peux prendre ce que tu veux. Moi je vais commencer avec, je pense que je vais couper cette tartine de pain. Est-ce que le pain est craquant? Il a l'air un peu trop. Écoute. Bien croustillant. Il a l'air pas mal le pain. On va goûter ça. Par contre, le couteau est pas terrible pour couper le pain. Et voilà. Et je vais tartiner de beurre. Donc moi, en général, je tartine de beurre doux, un peu comme celui-ci. Et peut-être que je mettrai de la confiture, on va voir. On a fraise. Tu vois pas là. Et il y a abricot. On va goûter ça. Je sais pas s'il y aura assez de beurre doux parce que c'est vrai que
faire deux tartines avec juste un 10 grammes de beurre, ça fait pas beaucoup, beaucoup. On va voir. Pas que je mette énormément de beurre, mais quand même. Je sais pas si tu regardes cette vidéo le soir, ou si c'est le matin comme moi. Mais si c'est le soir, je suis sûre que ça te donne faim. En tout cas, moi j'ai super faim. J'ai bien dormi cette nuit à l'hôtel. Enfin, j'ai été réveillée quand même plusieurs fois parce qu'il y avait quand même des bruits. Mais sinon, le lit était super agréable. Qu'est-ce que je mets? Allez, je mets un petit peu de confiture de fraise. Allez. Attention. Il y a vachement de vent quand même. Hein. On l'entend. Enfin, moi, j'entends fort en tout cas. On dirait plus de la gelée d'ailleurs que de la confiture. Ça faisait un petit moment que j'étais pas allée à l'hôtel. Et du coup, je suis bien contente d'avoir passé cette petite nuit à l'hôtel. C'était super bien. Et l'hôtel était vraiment agréable. Donc, bien contente. J'aurais bien aimé prendre le petit-déj sur la terrasse dehors. Mais il fait trop froid, puis là, il y avait vraiment beaucoup de vent. Bon. Du coup, je vais goûter mon chocolat chaud maintenant. J'espère qu'il est encore chaud. Dedans. Alors, goûtons ça. Ça va, il est encore chaud. C'est cool, ça fait du bien. Il est trop bon le pain. Du coup, tu vois, ce week-end, j'en ai profité pour faire plein de vidéos. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais comme j'ai pas l'occasion d'être souvent en dehors de chez moi, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour vous de me voir dans des lieux un peu différents. Et je l'ai pensé à vous parce que je sais que vous adorez quand je fais des mukbangs dans mon petit déjeuner. Donc je me suis dit, il faut absolument que je fasse ce petit déjeuner pour mes abonnés.
vous propose, c'est que je goûte aussi les petits fruits frais. Il y a des fruits, du kiwi, de la mandarine, je pense. J'ai dit des fruits, je voulais dire des pommes. Des pommes, du kiwi, de la mandarine. Peut-être de la poire, je vais goûter ça. Je vais vous dire. Alors. Il y a de la pomme, c'est sûr. Mais après, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ça doit être que de la pomme, je pense. Et là, le fromage blanc, je vous le dis, je mangerai pas, ça c'est pas trop mon truc. Ensuite, ce matin, je pense que j'irai faire un petit tour sur la plage. Et puis, et après je rentre chez moi. Ici, le petit déjeuner, il est à 12 euros. On dirait que ça reste raisonnable. Parce que j'ai déjà fait des restaurants, des hôtels où c'était au moins 18 euros le petit déjeuner. Bon, t'avais le buffet, donc... On s'est dit, là, t'as pas le buffet. Donc, je sais pas trop si c'est cher ou pas cher. Mais bon, vu que de toute manière, c'est fermé partout dehors, on peut pas manger... De toute façon, j'aurais pas pu manger. Ou alors aller à la boulangerie, quoi. Ah. Moi, le miel, j'aime bien. Mais j'en mange jamais avec des tartines. En général, j'en mets quand je bois une tisane. Ou dans des gâteaux aussi. Pour les tartines, je préfère le beurre ou la confiture. Je vais prendre le petit croissant. Ah, croustillant aussi. On va goûter ça. Bon, ça c'est un petit croissant réchauffé, je pense. C'est pas du. Ça vient pas de la boulangerie. Après, je vais prendre la tartine de pain, je pense, celle-là. Le pain a l'air un peu sec quand même. On verra. Je vais vous montrer encore un petit peu dehors. Et ensuite, je vais terminer cette vidéo. Comme ça, je finirai tranquillement. Voilà. Il y a déjà quelques personnes sur la plage.
Et un cerf-volant. Ça doit faire au moins une demi-heure qu'il est avec son cerf-volant. Je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo petit déjeuner avec moi à l'hôtel. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Donc, j'espère que vous aussi. Et je vous retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!